C'est un honneur pour nous de visiter SOS Village. On sait qu'il y a beaucoup de, il y a pas mal de problèmes avec les enfants. Mais voilà, un sourire aujourd'hui, une embrassade, peut-être qu'aujourd'hui on a fait la différence quelque part, à notre humble niveau. Donc voilà, en tout cas, on souhaite voilà, à SOS Village de continuer sur la bonne voie, parce qu'ils font du très bon travail. Et voilà, merci à tous. Merci. Très heureux d'être là. Voilà, la FAF a décidé de venir en aide à SOS Village d'enfants. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Une initiative à remettre dès que ce sera possible. Voilà, donner du temps libre pour les enfants, leur apporter de la joie. Voilà, on sait très bien en Algérie, l'équipe nationale, qu'est-ce que ça peut procurer comme joie. Donc vraiment très très heureux et félicitations à tous ceux qui travaillent, qui mettent du cœur, voilà, chaque jour. Et voilà, c'est aussi une question même à la fois aussi religieuse, de personnalité. Voilà, moi j'ai grandi dans l'entraide, le partage, donc vraiment très content et j'incite vraiment les gens à donner d'eux-mêmes, quoi, ceux qu'ils peuvent, quoi. Ah bon, moi je suis, comme a dit Sofiane, je suis très heureux d'être là aussi avec l'équipe. C'est très important pour les enfants et c'est même important pour nous. J'étais déjà passé ici auparavant tout seul. Je pense que ça fait peut-être 1 ou 2 ans et ça fait qu'être mieux. Donc franchement, comme il l'a dit, c'est une très belle initiative de leur part. Et voilà, on espère encore pouvoir venir à l'avenir le plus souvent possible parce qu'on sait que ça leur fait plaisir et voilà, c'est important aussi pour nous. Non, moi je vais répéter un peu ce qu'ont dit mes coéquipiers. Immense fierté de venir ici aujourd'hui, rencontrer les enfants, rencontrer les personnes qui travaillent pour SOS Village d'Enfants, les remercier, leur tirer chapeau aussi parce que je pense que c'est des personnes qui font de très très grandes choses pour des enfants qui comme on l'a dit auparavant, ont vécu des moments compliqués. Et voilà, comme il se fait aussi, je pense qu'on a grandi dans l'entraide. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est notre devoir de répéter ces actions qui parfois peuvent paraître simples, mais qui pèsent beaucoup dans les balances. Donc voilà, donc, immense fierté d'être présent aujourd'hui parmi vous, parmi les enfants. Et Inch'Allah, vraiment, j'espère qu'on répétera régulièrement ce genre d'action. Donc voilà, j'espère que beaucoup de personnes prendront conscience à l'avenir, voilà, de l'importance d'aider ces jeunes enfants dans la difficulté. Et voilà, et faire de notre maximum pour leur venir en aide, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc nous venons passer tous les joueurs, l'instance dirigeance de la FAF et tout le staff technique, toute l'organisation en fait, de l'équipe nationale, un moment exceptionnel au sens propre du terme, un moment extraordinaire, je répète aussi au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'ordinaire. Il était important pour nous de retrouver des vraies valeurs, des valeurs essentielles, surtout nous qui sommes dans un milieu où des fois nous pouvons être déconnectés un petit peu de la réalité et même de la dure réalité de la vie. Donc voir le sourire de ces enfants et voir comment ils sont pris quelque part en charge par SOS Village. Nous sommes heureux d'apporter, ne serait-ce que la plus minime des contributions, un sourire d'enfant est déjà une énorme joie pour nous. C'est nous qui sommes heureux d'être là. Je veux dire, c'est le moins qu'on puisse faire. C'était un vrai plaisir, un vrai honneur. On vous remercie pour votre accueil. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de réitérer ce genre d'occasion. Et on demande à tout le monde, tous ceux qui sont attentifs. Et je sais que on a ce cœur-là. On est plus qu'hospitalier. On a vraiment l'envie d'entraider. Ça, c'est peut-être une de nos plus grosses qualités. Donc, je vous demande ça, l'appel aussi de soutenir SOS Village. Et
voilà, à la prochaine, Inch'Allah, avec peut-être un peu plus de temps encore, et voilà, créer une relation sur du long terme, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.